Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Moi, je prends un bout de papier et j'écris sur ce bout de papier « Willem Verham ». Verham, ouais. Et je mets aussi, j'écris « Strass » avec un point d'interrogation. Mm-hmm. Et je montre au pharmacien en disant « Est-ce qu'il peut me fournir l'adresse de ce monsieur ?» Tu veux qu'il te regarde en disant « Je sais pas, je ne sais pas !» Je pense qu'à la limite, ça, j'ai si, compris on veut faire ça. Très bien. Si on veut faire ça dans une boutique, Raymond, peut-être que la poste, c'est mieux pour les adresses. Non, mais c'est un... Danke, je fais au revoir au pharmacien et je dis, je vais vous expliquer sur la route. Yeah. Et moi, je reprends, tu sais, un peu plus de baume, peut-être pour ceux que j'ai vu qui aussi qui a peut-être les mains un petit peu abîmées, qui est peut-être pas forcément l'habitude pour ouais. Pour le magasin, enfin pour le magasin, ouais. Enfin, c'est le trafic, le tunnel. Du coup, vous revenez. Est-ce que vous faites quelque chose avant d'aller à l'hôtel? Parce que vous avez quand même 3 heures, hein, c'est pas mal long. Hein. Vous pouvez juste aller boire un café et attendre, hein, y a pas de souci. Moi, je continue de me renseigner sur le Willem. Bah, comme je l'ai vu faire dans la pharmacie, je lui demande pourquoi il cherche une adresse de quelqu'un. Alors, attends, je précise que on t'avait bien indiqué que c'était un côté dans ce quartier-là, donc vous n'êtes pas du tout dans ce quartier-là. Oui, forcément. Je précise quand même, vous êtes à Vienne. Oui, donc ça sert un peu à rien. Non, yeah. Vous avez besoin de moi ou pas? Mais pourquoi tu veux? Non, je sais pas, c'est pour savoir. En fait, je t'avoue que j'ai été chez le barbier avec Jackson et en fait, c'était plutôt cool en fait. Et je gratte un peu ma barbe là et j'y retournerai bien en fait. Bah, je sais pas, Raymond, t'as besoin de nous pour chercher. Justement, voilà. Est-ce que, c'est qui ouais d'ailleurs? Pourquoi c'est qui? Tu fais quoi en fait? C'est notre guérisseur qui traîne avec Underprest. Et je veux en fait choper des infos sur lui. Oui, tu t'analyses le réseau. Bah ouais. Tu veux un coup de main, je sais pas, pour ça ou Bah c'était... Est-ce que c'est urgent? Je sais pas. Je me débrouille en danois si jamais, je sais pas. Ouais, voilà, est-ce qu'on va réussir à en avoir des infos? Je voulais juste son adresse et peut-être qu'elle était dans le coin, mais non, elle est pas dans le coin, donc... Je vais au barbier. Luca part, va au barbier. Célia, Raymond, qu'est-ce que vous faites? Ben Raymond, tu veux qu'on essaye de chercher ce monsieur? Tu penses que c'est... C'est pas beaucoup, 3 heures pour... Ah, c'est un peu short, hein, pour aller à l'autre bout de Vienne et enquêter et revenir, c'est pas l'idéal, dirons-nous. Sinon, on peut retourner à la bibliothèque ou faire un truc pour que tu redescendes un peu. Bah non, mais ça va, là. Enfin, du coup, on a bu un café tout à l'heure. Honnêtement, j'ai bu 2 verres, ça va plutôt bien. Hein. Mais, bah, je sais pas. Après, je sais qu'on n'a pas le droit d'aller voir la police, etc. Et c'est compliqué de lire l'allemand, mais... Trouver plus d'infos sur les histoires des cimetières, ça aurait pu être intéressant, mais... Vu mon niveau d'allemand et ton niveau d'allemand... Après, on peut peut-être acheter quelques journaux et... Ouais, c'est ça. Et puis tout à l'heure, il y a Sven voilà. Et leur demander. Et Jackson. Donc, parce que si. Voilà, voir si on peut trouver plus d'infos. Parce que si là, profaner plein de cimetières et. Bref, ouais, on peut essayer de trouver plus d'infos sur les cimetières, voir s'il y en a. On a un plan de la ville Oui. Oh, peut-être qu'on peut faire ça. Du coup, regarder quels cimetières ont été frappés, lesquels n'ont pas été frappés. D'accord. Vous faites ça, vous trouvez, vous reprenez les informations que vous avez. Donc effectivement, on vous a clairement parlé du cimetière, le grand cimetière, un vieux cimetière hein, d'Astor, qui est juste à côté de là où habite Underprest. Ouais. Et puis d'autres cimetières qui sont un peu plus loin quand même. Mais dans le même genre de... Enfin, dans la même et dans ceux qui ont été profanés de cimetières, ils disaient qu'il y en avait 2 où il y avait eu des bijoux volés et d'autres où c'était juste les tombes profanées, c'est ça?
Ouais, bah, ou c'était carrément le cadavre qui manquait. Ouais. On peut dire qu'il fait d'une pierre deux coups, il récupère des cadavres et les bijoux pour financer ses recherches. Mais du coup, bah, ou les bijoux pour financer l'achat d'une tête, et quand il a échoué, il a décidé que finalement, il avait besoin de l'acheter, je sais pas. Vous finissez d'enquêter, vous vous retrouvez bah, à l'heure du rendez-vous. Et donc, voilà, l'heure du rendez-vous revient, et Luca revient tout frais. Et puis, vous arrivez donc à l'hôtel, et quelqu'un, la personne de l'accueil, vous fait signe, en fait. Et fait, excusez-moi, vous avez un message. Nous tous Oui, nous trois. Je le récupère. Oui. Donc, tu vois, c'est un petit papier plié. Vous l'ouvrez. Je l'ouvre de loin. Je tends les bras, je l'ouvre d'un peu loin, je sais pas pourquoi. C'est marqué que la sécurité de votre ami dépend de l'abandon de vos inutiles recherches. Merde. Là, il y a Sven qui arrive. Ça va, je suis arrivé trop tôt. Jackson. Dans Sven. Ouais, je pense que... Sven, est-ce que vous avez vu Jackson après notre départ ou pas? Non, il était parti. Ses contacts. Il avait dit qu'il devait faire ses contacts. Pourquoi? Est-ce qu'il y a du genre, montre le monde. Je pense pas si... C'est Raymond qui l'a, mais fait... je fais signe. Ouais, il fait des gros yeux, il fait... Ah mon dieu, je... Question MJ, est-ce que Jackson est du genre en retard? Est-ce qu'il est déjà arrivé en retard? C'est pas trop son genre, non. Mais vous pensez que c'est Jackson? Ah, on n'a pas d'autres amis, hein. Enfin si, mais pas Isfah. Oui. C'est forcément lui. Sinon c'est vous, hein. Et puis vous êtes là. Donc, mais enfin oui, j'ai oui. Mon dieu, je ne sais pas quoi dire, je... Vous pensez que c'est Thunder Prest qui a fait ça? Vous avez été... C'est possible, mais... Bah, vous êtes... Niveau discrétion, quand vous étiez dans le quartier de Thunder Prest, vous êtes... Bah, vous avez fait un combat de boxe, donc vous êtes plutôt fait remarquer, je suppose. Et puis Jackson, il a été plutôt clair dans le genre, on n'a pas besoin d'être discret, il faut poser les questions directement. Et puis Jackson, c'est quelqu'un qu'on remarque dans le... Enfin, à Vienne. J'ai essayé d'être discret, de passer des... C'est vrai, je suis d'accord. Honnêtement, Raymond a essayé de faire tout son possible pour être le plus discret et le plus fin, sans malheureusement obtenir de résultats. Alors, Monsieur Jackson, Monsieur Elias a un peu poussé plus loin, dirons-nous, les recherches, les questions. Et c'est vrai que la discrétion n'était pas le maître mot. Est-ce que vous pensez que c'est, je sais pas, peut-être la personne avec qui vous avez eu une altercation, ou peut-être... honnêtement, c'est possible. Nous avons posé des questions à pas mal de monde dans la rue. On ne peut pas le laisser comme ça, là. Mais le laisser, non, oui, où pensez-vous qu'il est? Il est sûrement dans ce quartier, je vois pas où est-ce qu'il pourrait être d'autre. Ouais, enfin, on va pas se balader dans le quartier en criant Jackson, quoi. Attends, on va réfléchir. Est-ce qu'on pourrait pas aller dans sa chambre? En vrai, peut-être qu'il avait laissé, je sais pas... Les noms de ses contacts ou quelque chose? Ouais, quelque chose de visible. Je me dirige vers le comptoir, celui qui nous a laissé le message. Écoutez, vous savez, on est venu avec Monsieur Elias. On a besoin d'accéder à sa chambre, c'est important. Du coup, tu vois, il comprend et tout, il te passe les clés. Enfin, pour lui, en fait, vous faites partie d'un groupe, donc il voit pas le problème. Oui, oui. Venez, on y va? Bah oui. La chambre de Jackson Elias est plutôt bien rangée et mais il n'y a pas grand chose niveau indication puisque il porte sur lui beaucoup des affaires, hein, bien évidemment, ses carnets, ses choses comme ça. Donc il y a quelques éléments de recherche, il y a du tabac pour sa pipe, des choses comme ça, quelques rechanges, mais il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Ouais, il n'y a pas un second calepin ou un second répertoire ou peut-être, tu sais, un livre ouvert qui aurait été rédigé par un confrère ou... Non. Il y a par contre, effectivement, des livres qui parlent de l'Europe, de l'Afrique, de choses comme ça.
Attendez, il a dit quoi? Il a dit juste qu'il allait rencontrer quelqu'un, enfin qu'il allait basiquement contacter ses connaissances, mais il a cité personne. Il a... Sinon, il pensait à quoi? Forcément quelqu'un du coin, je pense, non? De toute manière, discrétion ou pas discrétion, maintenant c'est tout, c'est grillé. On peut aller directement chez Underpost. Non, alors la question aussi, c'est que la vie de Jackson en dépend, et est-ce que si on abandonne, ils vont pas juste le libérer? Est-ce qu'on met la vie de Jackson Elias en danger pour cette enquête, en fait? Ouais, mais peut-être qu'elle est justement en danger aussi. Mais qu'est-ce qui vous dit que... Enfin, je suis désolé, mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils vont obéir à faire ça? Peut-être qu'ils l'ont déjà tué. Je sais, c'est ça. Il faut penser à toutes les éventualités, je suis d'accord. Une des éventualités, c'est que ce message est... à prendre au pied de la lettre et que si on abandonne, ils vont le libérer. Une autre éventualité est qu'ils l'ont déjà assassiné et que de toute façon, c'est trop tard. Et encore une autre éventualité est qu'ils sont sur le point de l'assassiner et qu'il faut qu'on y aille, mais je... Ouais. En gros, ce message, il veut dire quoi? Il veut dire qu'on est surveillé, c'est tout. Oui, de toute façon, il n'y a pas marqué qu'on va les répondre. Il n'y a pas d'adresse de réponse. C'est pas une correspondance normale, donc forcément... C'est quoi? Moi, de toute façon, ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à ce qu'on parte sûrement de la ville. Non, mais je veux dire, moi, ce que je lis quand je comprends ce message, c'est en gros, si on abandonne les recherches, ils nous suivent, ils nous surveillent et que si on quitte la ville, ils vont peut-être le relâcher. Mais je veux dire, on peut pas partir de ce postulat-là. C'est moi, j'ai juste envie d'aller dans le quartier là-bas pour le retrouver, quoi. Mais c'est... Je veux dire, toi, ils t'ont vu, Ray. Enfin... Ouais. Le papier est écrit dans un anglais très correct, ou ça a l'air d'être écrit peut-être par quelqu'un qui... C'est écrit juste de manière très succincte. Hein. Et est-ce qu'on est sur une écriture sûre et bien maniée de quelqu'un qui... Non. Okay. Je relis le message. Le message est très simple. Hein. On te dit que la sécurité de votre ami dépend de l'abandon de vos inutiles recherches. Il pourrait être au moins un peu plus direct dans leurs menaces, quand même. Après, si on va rechercher notre ami, c'est moins... C'est pas les mêmes recherches. On peut peut-être... Eh ben, vous savez quoi? On va chez Underpest. Voilà, direct. Ok, on aura besoin de toi. Je vais chercher mon arme aussi. Hein. C'est ce que j'ai envie de faire, mais faut qu'on soit prudent. C'est trop tard. Mais prudent, c'était tout à l'heure, c'était avant qu'on se fasse griller. Maintenant, on est grillé, il n'y a plus de prudence. J'espère qu'il lui a rien arrivé, merde. Vous êtes sûr de vouloir y aller de nuit? Pas tellement, pour être honnête. Il a l'air de se passer des choses la nuit. Et puis, c'est là qu'il fait ses petites balades nocturnes. Enfin, ses amis font ses balades nocturnes. Ouais, c'est vrai. Non, lui aussi, le voisin me parlait de ses balades dans Dastor. À côté de Dastor. Le cimetière. Ouais. Écoutez, est-ce qu'on n'essaierait pas peut-être aussi de porter quelque chose de moins voyant, ou peut-être, je sais pas, des vêtements qu'on n'a peut-être pas l'habitude de porter? Je vous dis pas, ça vient avec des capes ou ce genre de trucs, mais je veux dire, être un peu plus discret en noir, et puis, parce qu'ils connaissent ton visage, ils nous connaissent tous, au moins, si on peut déjà arriver à pénétrer dans la rue sans être... Je regarde un petit peu, est-ce que je regarde autour, à l'endroit où on est, est-ce que j'essaye de capter, sans montrer que je cherche, capter un regard, capter quelque chose, une attention, quelqu'un qui nous porte justement une attention? Non, tout le monde s'en fout. Vous êtes pas très visible, hein, honnêtement. Vous n'êtes pas habillé de manière particulièrement visible. C'est juste que selon l'endroit où vous allez... Oui, mais c'est votre rang social, votre caste sociale qui va plus se refléter qu'autre chose. Je retourne voir la personne qui nous a donné le papier. Mm-hmm. Excusez-moi. Puis-je récupérer les clés? Absolument, tenez, excusez-moi. Merci. Qui vous a remis ce message? Est-ce que vous pouvez me décrire qui vous... Qu'est-ce que c'est, un homme, une femme? Est-ce que... C'est un des coursiers qui passe de temps en temps. Est-ce qu'il est encore là? Ah non, il a fini de travailler. Il me l'a amené, je sais pas, il y a de ça un peu plus d'une heure. J'abaisse un peu le ton de ma voix et je me penche un peu vers lui. Écoutez,
on est un petit peu inquiet pour notre ami et on aurait besoin de rentrer en contact avec ce coursier juste pour lui poser une question. Je sais que c'est un petit peu inhabituel, mais... Écoutez, oui, je pense que si vous voulez, il repasse demain matin. Écoutez, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de le... Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le joindre maintenant ? C'est important. S'il vous plaît. Je suis désolé, mais je ne le connais pas personnellement. Il faudrait. J'aime bien des employés, peut-être quelqu'un qui. C'est un employé d'une entreprise de coursier, en fait, Luca. Donc, je ne suis pas. Enfin, il est assez tard. Je ne pense pas qu'ils sont encore ouverts. Je commence un peu à bouillonner, à m'agiter sur place. Je mets ma main sur son épaule pour essayer de le calmer un peu et je. Je pense qu'il ne faut pas agir dans la hâte non plus, parce que ça ne sert à rien de nous... Je m'éloigne de la réception. Ah oui, évidemment. Oui. Je pense qu'il ne faut pas agir non plus complètement dans la hâte, parce que si Jackson est en danger, ce n'est pas la peine qu'on se mette nous aussi en danger. Je ne dis pas ça par cruauté, je dis qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on va faire, surtout si on a affaire, vu ce que Raymond a décrit des activités de Claire Sonderprest... On ne sait même pas avec combien de personnes il interagit. Écoutez, c'est pas une idée sensationnelle, mais je peux être très discret la nuit. Je me demande en fait, est-ce que vous pensez que c'est Underpressed ou pas qui est derrière tout ça ? Je sais que c'est, on a vraiment peu d'indices. Je veux dire, il y a rien sur ce mot. Non, mais je veux dire. Est-ce qu'on pense qu'il est dans ce quartier ? Ray, t'en penses quoi ? Tu penses qu'il est là-bas ? Il y a beaucoup trop d'éléments qui retournent vers lui. Est-ce que on formerait pas de groupe ? J'essaie d'y aller discrètement de mon côté et de vous de votre côté, je sais pas, attirer l'attention sur vous plus. Parce que en fait, je déteste savoir qu'on est épiés, ça me... Et puis comme ça, on se retrouve dans la même situation où toi, tu te fais serrer et après, on se retrouve que nous. Je suis d'accord avec Monsieur Raymond. Je ne pense pas que je puisse être de grande aide, mais au moins y aller à deux, minimum. Deux personnes qui savent se servir d'une arme, peut-être, ou je ne sais pas, vous êtes américain, vous avez peut-être moyen. En effet. On avait prévu de le confronter de toute façon. En pleine nuit comme ça, oui. Eh ben, ça va. Moi, je ne pense pas qu'y aller la nuit soit une très bonne idée, mais si vous dites, effectivement, nous avons discuté avec un de ses voisins, un vieux professeur d'astronomie, qui disait qu'il le voyait se balader, comme je le disais, la nuit. Et du coup, il n'est pas chez lui la nuit. Justement. C'est peut-être une bonne idée, oui. Je pense que c'est une meilleure idée, effectivement. C'est juste que. Forcément, personnellement, je trouve ça plus inquiétant la nuit, mais... Et si on se fait passer pour un infirme ? Je viens d'avoir l'idée comme ça, j'en sais rien, j'ai pas plus réfléchi que ça, mais... Imaginons, un moyen d'accéder de façon, entre guillemets, légale, chez lui. Oui, mais et déjà, ce qu'on lui. Peut faire, c'est que là, on est à l'hôtel, on peut déjà se préparer, sortir peut-être par... un accès un peu moins visible que l'entrée principale et prendre peut-être, je sais pas, des rues un peu moins éclairées pour se rendre là-bas et déjà être peut-être moins visible parce que, clairement... Le quartier est plutôt... Enfin, vous verrez, ce n'est pas comme ici. Hein. D'accord. Très bien. Écoutez... Allons-y. Vous y allez tous les trois ? Je suis désolé. Luca et moi. Sven, on comprend. Bien sûr, on comprend. Ah ben non, Sven, rentrez en sécurité. Par contre, restez discret, s'il vous plaît. Essayez de ne pas... Je n'ai pas pour habitude d'être... Est-ce que ça vous dérange peut-être aussi d'attendre un moment avant de rentrer chez vous ? Peut-être une demi-heure ici ? Prenez un café ? Peut-être que si... Oui, pas de souci, si ça vous rassure. Si on nous surveille et que... Oui. Peut-être, j'aimerais déjà pas qu'il vous arrive quelque chose. Et même si vous voient sortir seul, ils vont peut-être se poser des questions par rapport à nous aussi. Du coup, je préférais ça. Du coup, il est OK avec ça et il attend. Bon, Luca, on va chercher nos affaires. Célia, tu prends ton... Est-ce que c'est possible de sortir par genre les cuisines ou derrière l'hôtel ou quelque chose comme ça ou qu'on sorte toutes les deux par des portes différentes par exemple ? Ouais, c'est possible de sortir par deux portes différentes. Au moins, c'est déjà ça. Raymond, tu les accompagnes ? Bien sûr.
Écoutez, on se change, porter quelque chose de sombre et un peu plus discret. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet. Et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.